Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cet entretien. Qu'a-t-on fait pour rendre le cadre de vie des Béninois plus attrayant? 5 ans sont passés pour le premier mandat. Nous venons encore de boucler 12 mois pour le second quinquennat du président Patrice Talon. Les promesses sont-elles tenues? La voirie, la protection de nos côtes, les logements sociaux, les marchés urbains régionaux, l'assainissement, la lutte contre la variabilité climatique. Bref, nous recevons le bras opérationnel de tous ces projets pharaoniques du gouvernement du président Patrice Talon, José Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Tchouki. Merci d'être là avec nous pour cet entretien, juste pour nous dire ce que vous avez pu faire en 12 mois pour le second mandat du chef de l'État, Patrice Talon. Alors, je coanime cet entretien avec mon collègue de Canal 3 Bénin, Christian Dadejan. Bonsoir. William Tchouki, bonsoir. Monsieur le ministre José Didier Tonato, bonsoir. Monsieur Dadejan. Merci de répondre présent à notre invitation. Avec vous, nous allons faire le point de ce qui a été fait. Maintenant, nous lancer dans, faire une projection pour ce qu'il reste à faire pour le reste du mandat du chef de l'État Patrice Talon, puisque le 6 janvier dernier, eh bien, le PAG2 a été lancé. Mais on va partir de l'existant, monsieur le ministre. Votre département ministériel est dédié à l'amélioration du territoire, l'image de nos villes, il faut les changer et les rendre plus attractifs, le projet asphaltage, la voirie et tout et tout. Dites-nous, monsieur le ministre, où en êtes-vous après 6 ans? C'est une question bien difficile, monsieur. Attendez, où est-ce qu'on en est? Je pense d'abord que faire un bilan de cette façon sur un département, comme vous l'avez dit, qui couvre l'aménagement du territoire, qui couvre le développement urbain, les villes, l'habitat, la construction de façon globale, l'environnement, et avec ses pôles changement climatique, biodiversité et désertification, c'est dans l'actualité, la COP15, la gestion des eaux, forêts et chasses, les aires protégées, c'est très difficile de dire où est-ce qu'on en est de façon globale. Sur le fond de l'aménagement du territoire, il faut dire quand même qu'on ne le dira jamais assez, l'intelligence et la vision que le chef de l'État a eue en créant le département du cadre de vie. C'est pédagogique pour traduire la façon dont l'amélioration du cadre de vie doit être pensée de façon intégrée, accrochée au territoire, pour que chaque secteur intervienne en complémentarité et en cohérence avec les autres secteurs. C'est ça le cadre de vie. Et je peux vous dire que le Bénin a été félicité dans plusieurs forums internationaux pour cette déclinaison de ce que nous appelons l'environnement de façon globale. Alors, où est-ce que nous en sommes? Je pourrais dire que le programme des logements se poursuit, le logement économique. C'est le programme emblématique du cadre de vie parce que tout le monde sait que habiter chez soi pour les Béninois est quelque chose de fondamental. Et c'est la première fois depuis 60 ans qu'on emblave de façon globale l'habitat dans son sens d'apport du foncier, du financement, des infrastructures et de l'unité de logement réalisée selon les normes internationales. Je peux dire également que l'assainissement se poursuit à travers le programme que nous appelons, que nous avons baptisé asphaltage, qui est en fait le programme d'amélioration de la voirie et de l'assainissement dans notre métropole Cotonou, mais également dans les principales villes du Bénin. Le programme asphaltage se poursuit en réalité au-delà de l'infrastructure, c'est le programme d'amélioration de la mobilité urbaine, de la circulation dans nos villes et donc de dynamisation de l'économie parce que vous allez plus vite, vous gagnez du temps, vous conduisez vos activités de façon plus aisée et quand vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Vous avez certainement dû observer que dans tous les quartiers où on a fait le programme asphaltage, les ravalements de façades, les reconstructions de maisons, les rénovations d'habitats. Et donc c'est un moyen économique de doper vraiment le dynamisme de nos villes. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que ce qui est prévu pour le premier quinquennat par rapport à l'asphaltage, qu'on a pu tout boucler, monsieur le ministre? Nous avons prévu de faire dans cette phase A 195 km sur les 9 villes concernées. Ouais. Nous avons fait pratiquement 205 km. Donc nous avons plus,
Nous avons fait plus que ce qui est prévu. Okay. Nous avons fait plus que ce qui est prévu. Malgré les difficultés, vous n'êtes pas sans savoir que vers la fin, il y a eu la pandémie de la Covid, où nous avons été impactés par l'arrêt des industries qui fabriquent, par exemple, le béton bitumineux. Tout le monde ne le sait pas, mais le béton qui finalise l'asphaltage est un produit importé. Aujourd'hui, nous continuons les chantiers, malgré les difficultés liées à la guerre d'Ukraine, mais nous en reparlerons, mais c'est difficile à cause de comment est-ce que le carburant, le gasoil est impacté, d'avoir du béton au même prix que le prix vendu au départ. Donc, le PAG continue également. Avec le PAPC, vous avez vu que nous avons lancé dernièrement le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, un programme qui fait 264 milliards de nos francs, avec 8 partenaires qui font confiance au Bénin, pour délivrer en 5 ans un programme qui était prévu pour être abouti dans le meilleur des cas en 2038. Donc en 2025, si tout va bien, en 2026, si nous glissons un peu, Cotonou sera définitivement hors d'eau. Les inondations seront derrière nous, après qu'on ait réglé, j'insiste là-dessus, parce que je sais que la question pourrait revenir, après qu'on ait réglé la question de l'érosion côtière. Ce qui se passe aujourd'hui sur le front Est est une question saisonnière, est une conséquence des infrastructures qui ont été réalisées, parce que l'érosion côtière, c'est le transit sédimentaire d'ouest en Est, qui emporte le sable sur nos côtes. Quand on essaie de l'arrêter quelque part, ça se creuse ailleurs, donc il faut maîtriser les impacts. Et nous sommes en train de travailler dessus pour accroître la résilience de nos populations vis-à-vis de leur vulnérabilité habituelle. Vous avez parlé du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, qui vient après l'opérationnalisation, je dirais, du programme asphaltage. Est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en cause ce que vous avez déjà fait jusque-là comme asphaltage? Non, pas du tout. Différent. Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas eu une seule voie asphaltée, si on peut dire, ou traitée, revêtue, aménagée, sans son réseau d'assainissement. Regardez bien, quand on fait la voie, on fait d'abord le réseau d'assainissement, ça c'est ponctuel à asphaltage. On fait les caniveaux, c'est ça l'assainissement. Le PAPC, qui est le programme d'assainissement pluvial, c'est comment est-ce qu'on met en place un plan directeur d'assainissement de la ville où tous ces caniveaux qui longent la voirie doivent se déverser dans des grands collecteurs pour que, en période de pluie, en période de montée des eaux, les quartiers soient définitivement hors d'eau. C'est pour ça que vous allez voir les grands collecteurs à ciel ouvert qui, dans certains quartiers, ne sont pas bien entretenus. Il y a des bassins de rétention d'eau qu'on aménage comme exutoires et le plan d'assainissement n'est pas contraire à l'asphaltage, mais il vient le consolider, il vient le compléter. C'est d'ailleurs pour ça, si vous suivez bien, que comme le projet asphaltage a permis de traiter des pôles régionaux à l'intérieur de notre pays, comme les chefs-lieux de département, comme Natitengou, comme Parakou, comme Abomey-Boyikon, il faut maintenant, pour accroître la durabilité de cette infrastructure-là, il faut apporter de l'assainissement comme un investissement confortatif. C'est pour ça que nous avons le PAPVS, le plan d'assainissement pluvial des villes secondaires, qui comprend notre intervention dans les villes secondaires. Vous voulez dire qu'après le PAPC, qu'on n'aura plus d'inondations ici à Cotonou, c'est cela? Je puis le dire, mais dans le domaine de la météorologie, on vous parlera des pluies décennales, on vous parlera des pluies centenaires. Tout à fait. Si vous dimensionnez votre réseau d'assainissement pour faire face à une pluie qui va arriver une fois tous les 100 ans, vous allez gaspiller beaucoup d'argent. Donc nous sommes aujourd'hui en mesure de gérer les inondations dans la moyenne acceptable. Il y aura peut-être tous les 25 ans, tous les 50 ans, une fois par 100 ans, une pluie qui va déborder. Parce que la météorologie est ainsi faite. Quand vous construisez des infrastructures, vous ne les construisez pas pour la plus grande capacité, parce que si ça arrive une seule fois tous les 50 ans, autant le faire pour ce qui se passe, la moyenne annuelle. Ouais. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à l'aise pour faire face aux pluies décennales, aux pluies même de tous les 20 ans, 25 ans.
Et puis, exceptionnellement, il y aura quand même quelques débordements une fois tous les 50 ans. Voilà le réseau qui sera construit à Cotonou pour nous mettre totalement hors d'eau. Et ce que nous faisons avec nos collègues des infrastructures, c'est que, avec le contournement nord, qui également pendant le PAG2 va se faire, nous avons une zone au nord de l'agglomération de Cotonou qui sera définitivement assainie et on aura bouclé la boucle pour la vulnérabilité vis-à-vis des inondations et vis-à-vis de l'érosion côtière. Deux phénomènes qui sont fortement, vous le savez, impactés par les effets pervers des changements climatiques. On parle de montée de la température, donc de la montée des eaux au niveau planétaire. Ouais. Cotonou est une des villes qui anticipe aujourd'hui pour faire face à ces problèmes-là. On a aussi entendu dire qu'avec le PAPC, qu'on aura encore d'autres voies asphaltées. Est-ce qu'on dit que ça vient compléter les actions du projet asphaltage? Sur les pratiquement la centaine de kilomètres de voies qui ont été aménagées à Cotonou, le PAPC apporte 50 kilomètres supplémentaires. Ça veut dire que partout où passera un caniveau, un collecteur, on ne laissera pas les accotements, les abords sans aménagement. Et donc c'est également d'autres voiries qui vont augmenter le stock de voies aménagées dans Cotonou. Je ne dis pas, parce que sur la phase B du projet asphaltage, qui est également aujourd'hui en appel d'offres, va apporter autant encore près de 100 km de nouvelles voies aménagées. Vous voyez le stock. On se rend compte simplement que en 5 ans, on a aménagé plus de voies que dans les 30 dernières années dans Cotonou. C'est ça la performance du PAG. Alors, vous avez abordé ce sujet tout à l'heure, on est parlé en profondeur, c'est par rapport aux logements sociaux. Vous savez, le Béninois adore avoir sa propre maison. On a vu ce qui est en train de faire à Ouedo. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des logements accessibles à tout Béninois qui a un train de vie moyen? Il y a mieux que ça. C'est d'abord d'office accessible aux Béninois moyens. C'est ensuite accessible aux revenus faibles parce que dans les 20 000 logements qui sont en cours de construction, nous avons à peu près 20 % qui sont des logements sociaux. Logements sociaux veut dire quoi? Ils coûtent la même chose que le logement économique, mais l'État choisit de subventionner une partie du coût de ce logement pour permettre aux plus pauvres d'accéder à ces logements-là. C'est seulement fonctionnaire ou bien à tout Béninois? À tout Béninois. Nous sommes passés en Conseil des ministres pour les critères d'attribution, pour la mise en place du dispositif qui va attribuer ces logements-là. Et donc, les logements sociaux, nous serons très regardants pour que ça aille effectivement aux fonctionnaires, mais également à tous salariés, parce que nous avons quand même, l'État a besoin de cibler, dans un pays où vous avez le besoin qui fait environ 350 000 nouveaux logements chaque année, voire 400 000, et que l'État apporte un lot pour amorcer la pompe. C'est un signal pour le secteur privé, parce que le secteur privé peut faire des opérations. Il y en a eu dans ce pays, il y en aura encore, mais nous voulons montrer le standard qu'il faut. C'est un programme qui a été monté également avec une innovation. C'est la première fois en Afrique et peut-être dans les pays en développement qu'on rentrera dans un programme de logement sans apport initial. Avant, on vous demande 30% d'apport initial, 25% d'apport initial. Ce qui se passe avec les logements de le programme 20 000 logements, c'est que vous rentrez, si le loyer est à 150 000, je donne un exemple, vous commencez à rentrer dans la location accession, puisque nous avons également modifié la loi sur le bail pour pouvoir permettre qu'on puisse rentrer en acquisition directe avec seulement un loyer. Vous rentrez dedans, vous commencez à payer un loyer, il n'y a pas de caution, il y a une assurance de 0,5% que vous prenez qui ne coûte pas grand-chose. Et vous payez régulièrement votre loyer. Pour le logement économique, au bout de 17 ans, vous devenez propriétaire sans jamais apporter un apport initial. Et vous avez dit 17 ans, M. le ministre, si je prends Benoît, un fonctionnaire qui est peut-être à 3 ans de sa retraite, est-ce qu'il est possible
qui puissent bénéficier de ces logements sociaux? Il est possible qu'ils puissent bénéficier de ces logements sociaux. Et comment? Parce qu'il n'y a pas que ce seul moyen d'acquisition. Okay. Il y a également que, dans les critères d'accession, on a dit qu'il faut être à 15 ans, de la retraite pour rentrer dans un programme de logement. Okay. Vous savez, quand vous allez dans n'importe quelle banque, pour qu'on vous prête de l'argent, on voit votre âge, oui. On voit votre salaire, on voit pendant combien d'années vous allez encore rester en activité. Mm-hmm. Et c'est par rapport à tout ça qu'on dimensionne le prêt qu'on peut vous faire. Oui. Et donc, pour les logements, c'est être à 15 ans de sa retraite. Pour le social, c'est 25 ans. Vous payez pendant 25 ans. Mais pour l'économique, c'est 17 ans. Avec des taux différents. Le social, c'est 3,5%. Si vous trouvez un programme identique en Afrique, appelez-moi pour qu'on en parle. Un taux identique, on peut en discuter. Le logement économique est à 6,5% d'intérêt. Aujourd'hui, pour l'instant, vous n'avez pas encore ces taux-là. Et donc, le programme que nous sommes en train de faire, l'innovation sans apport initial, les taux qui sont faits, les facilités d'acquisition. Tout à l'heure, je vous disais, si vous êtes à 3 ans de votre retraite et que vous démontrez que en payant pendant 3 ans, vous avez l'apport qu'il faut pour payer le gap, vous pouvez acheter. Ah oui. Vous pouvez acheter cash aussi, oui. Directement. Donc, toute la flexibilité de ce programme permet aux différents Béninois, selon leurs moyens, d'y accéder. Alors, 20 000 logements sociaux, monsieur le ministre, quel est le point qu'on peut faire avec vous aujourd'hui? Puisque quand on parle de logements sociaux ou économiques, tout le monde a le regard tourné vers Ouedo. Est-ce Ouedo seul en ce moment qui est en train de bénéficier de ce programme-là? Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ouedo est, vous avez remarqué, la plus grosse partie actuellement, puisqu'on a près de 11 000 logements sur les 20. Dans la première phase. Mais nous avons également lancé déjà 250 logements à Parakou et près de 200 logements à Porto Novo. C'est trop peu, monsieur le ministre? Oui, si vous regardez le programme de logements, vous verrez que Porto Novo, c'est 3 000 logements. Mais il faut les faire quelque part. Il faut les faire quelque part. On n'a pas d'espace, vous l'avez dit, monsieur le ministre. Il faut trouver le terrain. On n'a pas trouvé le terrain à Porto Novo. On n'a pas encore trouvé le terrain. Mais on ne désespère pas, les recherches continuent. Nous avons reçu des propositions qui n'ont pas été validées. Okay. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique zéro éléphant blanc. Et donc, quand on donne le top, c'est que c'est vraiment sûr, on va jusqu'au bout. Mais donc, nous avons Ouedo pour, disons, Cotonou et l'agglomération de Calavi. Nous avons Porte Nouveau qui a démarré, la remise des sites a été faite. Nous avons Parakou qui a démarré également avec 250 logements. Mais il y a toutes les villes secondaires, chefs-lieux de département, qui vont recevoir en face d'eux des logements, et le nombre est connu. Ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'il faut tester, vérifier, s'assurer que tout va bien, que les coûts sont maîtrisés et que le programme marche avant d'aller à l'intérieur. Mmh. Simplement pourquoi? Parce que l'attractivité va se démontrer ici, avant d'aller à l'intérieur où nous avons moins d'attractivité, où le besoin est plus faible. Qu'on le veuille ou non, on a beau faire des logements, ça a beau être des logements économiques, des logements sociaux, mais il faut pouvoir les vendre parce que l'État aussi est allé chercher de l'argent à la BOAD, est allé chercher de l'argent à la BID, y compris la BADER, et il vérifie si nous sommes capables de rembourser. Donc le social, ce n'est pas du gratuit. Mais vous verrez que c'est pratiquement tout ce qui est voirie, réseau, foncier, a été pris en charge par l'État pour permettre que des logements de cette nature, de cette facture, arrivent à moins de 20 millions. Si vous permettez, on ira à la régie. On va suivre un élément qui va nous donner la transition par rapport à un autre sujet. C'est par rapport, bien sûr, au marché urbain qui sont en construction dans notre pays. Suivons cet élément. Une charpente métallique aux allures pyramidales. Ici, la géométrie et les mathématiques se donnent la main pour sublimer. Résultat, un espace commercial digne du nom. Nous sommes dans les entrailles de l'un des marchés urbains en construction à Cotonou, celui de Wologede, une promesse gouvernementale devenue réalité.
À Cotonou, nous avons, dans la première phase du projet, 9 marchés urbains qui ont quasiment tous le même type architectural, fait essentiellement de charpente métallique. Nous avons de l'ossature métallique, une couverture métallique. Dans la capitale économique, ces infrastructures marchandes en cours d'achèvement répondent aux normes modernes en la matière. Hormis Tokpa et Ganyi, pour la première fois récemment, vous avez des marchés qui sont réellement structurés et organisés selon les typologies et les usages qui vont avoir lieu à l'intérieur. Il y a essentiellement deux typologies. Vous avez une typologie sous forme de halle, comme on le voit ici, et puis une typologie sous forme de shed, comme vous avez pu le voir à PK3. Dans l'un et comme dans l'autre des cas, l'aménagement est fait de façon organisée pour qu'on arrête un petit peu le tohu-bohu et qu'on limite les risques qui sont fortement encadrés par l'architecture. La structuration de l'espace permet de fluidifier la circulation, d'avoir des zones qui sont clairement identifiées selon les typologies ou la nature des produits qui sont vendus. Nous avons tenu compte des activités existantes dans nos marchés, c'est-à-dire tous les étals primeurs de vente de légumes, de piments, d'oignons, tomates, de gombo. Tous ces usagers auront leur place ici. L'objet principal de ces marchés, c'est d'offrir des espaces modernes aux usagers pour que le commerce se fasse dans des conditions optimales, de sanitaires les plus exigeantes possibles. Désormais, nos marchés seront complètement assainis. L'étage, le niveau supérieur est réservé pour les produits nobles, tout ce qui est produits manufacturés. Ces marchés sont ceinturés par des boutiques qui sont ouvertes sur l'extérieur. Donc ce qui fait que même la nuit, si le marché à l'intérieur est fermé, les boutiques peuvent toujours être fonctionnelles et animer le quartier. Nous sommes dans ce qu'on appelle un ERP, à savoir un établissement recevant du public. Et la première des règles, c'est de s'assurer que toutes les personnes qui sont dans ce type de bâtiment-là puissent être secourues ou puissent sortir du bâtiment, quel que soit le type de sinistre qui intervienne. Les accès en ce qui concerne le rez-de-chaussée a été aménagé de façon à ce que toutes les personnes handicapées, que ce soit en béquille, que ce soit en fauteuil roulant, puissent avoir accès à ces locaux-là. Des boucheries, poissonneries, boutiques, restaurants et même une zone administrative. Tout est prévu pour satisfaire les commerçantes et revendeuses de Cotonou. Eh oh, à quoi il coule au fumé ? Les travaux sont assez avancés et la livraison de ces marchés de type nouveau s'annonce pour très bientôt. Nous avons un taux d'avancement de près de 80%. Comme vous l'avez vu, le gros œuvre est terminé. Nous sommes plutôt en phase de finition. Nous pensons que si nous arrivons à régler les problèmes d'approvisionnement, parce que vous n'êtes pas sans savoir les difficultés aujourd'hui du fret à l'international, cause un peu de retard sur la livraison de certains équipements qui sont déjà commandés, qui soit sont sur mer ou soit qui sont un peu retardés. Donc voilà, c'est très très avancé ces 9 marchés et nous espérons pouvoir livrer dans les prochaines semaines. Révéler le Bénin, telle est l'ambition du président Patrice Talon. Une ambition affichée et réaffirmée qu'il concrétise dans tous les secteurs. Les marchés urbains viennent s'ajouter au chapelet de réalisation à l'actif de son programme d'action. Alors, M. le ministre, on va dessus quand même l'élément qui présente un peu la situation dans la ville de Cotonou. 9 marchés, bien sûr, avec toutes les commodités requises. Est-ce que dans les autres villes aussi, ces travaux aussi avancent correctement, M. le ministre ? Je dirais oui, avec des nuances. Okay. Mais nous avançons résolument parce que je vous ai dit
que c'est zéro éléphant blanc. Mmh. On se donne tous les moyens pour que même quand il y a des difficultés, on puisse trouver les solutions durables qu'il faut. Mais si vous me permettez, avant de répondre de façon plus précise à cette question de ce qui se passe à l'intérieur, la pertinence de cet investissement, moi je l'ai déjà, je l'ai expérimenté sur le terrain. Par le dernier tour que j'ai fait quand je suis arrivé à Kadiéron, qui est le plus petit marché, et que j'ai vu la joie, l'explosion difficile à contenir des femmes de ce marché, j'ai compris que le président Talon avait bien vu le rôle que jouent les marchés urbains dans la structuration du développement urbain et surtout dans l'économie de la ville. C'est des équipements de rencontre, de commerce. Les gens se rencontrent pour ceux qui viennent vendre, ceux qui viennent acheter. C'est les points de régulation de l'échange à l'intérieur du pays comme vis-à-vis de l'extérieur. Et là, on a touché un point emblématique que ma collègue qui est en charge du commerce pourrait mieux développer que moi, parce que moi, je ne suis pas spécialiste du commerce. Tout à fait. Je suis que spécialiste de la construction. Ouais. Et c'est ce que, selon la dévolution de ma mission telle que le président l'a fixée, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mmh. Et avec les utilisateurs, dimensionner l'infrastructure la plus optimale pour régler les problèmes. Je vous dirais que sur les 9 marchés, c'est environ 1700 places que nous avons relevées. C'est, sur les 9 marchés qui sont en construction aujourd'hui, c'est plus de 6000 places. Ça veut dire quoi? Que nous avons vraiment anticipé sur le développement, anticipé sur un certain nombre d'infrastructures qui seront déplacées bientôt dans l'agglomération de Cotonou, comme le marché d'Antopa, où nous sommes en train de construire le marché de Gros, où le marché, la galerie marchande du stade de l'Amitié va commencer avec des places pour le commerce noble, tissus, textiles, bijoux, cosmétiques. C'est une intervention fondamentalement au cœur de l'aménagement du territoire national qui se passe. Et donc je suis fier de porter ça avec une infrastructure qui va durer et traverser le temps. J'ai parlé de près de 7000 places. La première phase des 20 marchés, c'est 89 milliards de nos francs. Et ça se passe assez bien. C'est vrai que sur Cotonou, c'est le lot 1, pour répondre à votre question. Sur le lot 2, qui concerne 6 marchés, et je serai très précis, c'est les deux marchés de Porto Novo, Wando et Awambo, le marché Hundro d'Abomey, ouais. Le marché de Kokokodi, le marché Guéma de Parakou et le marché de Djougou. L'entreprise a été défaillante. Ayant vu que le rythme ne progressait pas comme nous l'avons souhaité, nous sommes rentrés rapidement dans une démarche d'audit et nous avons arrêté les dégâts. 1000 entreprises en régie, nous avons été autorisés par la Direction nationale des marchés publics à mettre l'entreprise en régie de façon à ce que nous puissions nous-mêmes, avec les équipes mobilisées, terminer ce projet. Je puis vous dire que les ressources ont été sauvegardées pour assurer la bonne finition de ces marchés-là. Vous voulez dire que ces marchés qui n'ont pas démarré vont commencer d'ici là et que ces populations n'ont qu'à s'apaiser, c'est ça ? Qui ont démarré, mais qui. Et dont les chantiers se sont arrêtés. Quand je prends Wando, ça n'a pas démarré, monsieur le ministre. Oui, mais nous démarrons en cascade. C'est maintenant que nous relançons les marchés. Sur les 6 marchés dont je parle, il y a 4 qui ont déjà démarré. Okay. Et les 2 autres vont démarrer très vite parce qu'il faut faire le point des commandes. D'accord. Vous savez, dans ces marchés, on ne l'a pas dit assez. Il y a des élévateurs de charges, il y a des chambres froides. Ouais. Il y a beaucoup d'équipements qui viennent de l'extérieur. Il y a une infirmerie, il y a une garderie, il y a un coin de gestion des déchets, il y a une administration. Toute la charpente est une charpente commandée à l'extérieur, okay. De même que la couverture. Et donc, quand on a récupéré ces marchés-là où l'entreprise était en train de peiner, nous avons fait le point financier, nous avons fait le point des commandes. Toutes les commandes sont relancées aujourd'hui. Et nous avons pris un bureau spécialisé, celui d'ailleurs qui nous avait aidé à faire l'audit, pour faire la mission de contrôle de façon à pouvoir finir ces marchés. Cotonou, nous démarrons les constats d'achèvement courant du mois de juin. Okay. Ça veut dire qu'avant septembre, nous avons fini. Nous démarrons bien sûr sur les autres qui sont en retard
à la fin de l'année. Ce décalage nous amène à novembre-décembre pour finir les marchés du lot 2. Mais il y a les marchés régionaux. Ouais. Il y a les marchés régionaux à Natitingou qui est pas fini. Glazoué, oui. Azové, Huebo, et puis Pau. Oui, là aussi, nous avons un petit problème sur Pau. Et Pau sera également mis en régie comme les marchés du lot 2. Okay. Donc, nous sommes dans une gestion proactive. Nous faisons face aux problèmes, aux difficultés qu'il y a avec responsabilité. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à l'étude pour lancer la phase 2, où 16 marchés sont programmés. Et parmi les 16 marchés, il y a une bonne moitié qui sont une décision, une conclusion de la tournée de reddition de comptes que le chef de l'État a eu à faire, les constats qu'il a fait sur le terrain, les demandes qui ont été faites, là où c'est objectivement justifié. Nous avons dû modifier la liste de ces marchés-là pour intégrer ces préoccupations des populations, pour être à jour. Pour vous dire que nous travaillons dans une programmation dynamique, actualisable tous les jours, et dans le troisième trimestre de cette année, nous lancerons la deuxième phase des marchés urbains. Progressivement, nous allons, comme vous l'avez dit… – quand on parle de marché, M. le ministre, c'est aussi un lieu où on produit beaucoup de déchets. On a vu l'action que mène aujourd'hui la GDS dans les 5 communes du Grand Nokwe. C'est vrai que beaucoup ont apprécié cela, mais il y en a toujours qui disent que c'est comme le lézard qui dépose sa matière fécale. Il y a du blanc, mais il y a un peu du noir aussi, monsieur le ministre. À quel niveau se trouve le noir? C'est vrai, pas moi qui pose la question. Parce qu'on a l'impression que Cotonou revient de loin. On a l'impression que Porte-Novo, Abomey-Calavi, Semenpodi, Ouidah, qui n'avait pratiquement aucune activité conséquente de salubrité, de gestion des déchets, sont traités aujourd'hui. Et ce qui frappe les étrangers quand ils rentrent dans Cotonou, c'est que nos rues sont propres, très propres. Mais il n'y a pas d'action sans difficulté. Moi, je reçois tous les jours des plaintes des quartiers, les tricis qui ne sont pas passés, ouais. les poubelles qui n'ont pas été vidées. Ouais. Ou bien on a parfois mal curé. Mal curé, voilà. Le centre de transfert qui dégage des odeurs. Simplement parce qu'on a laissé. Nous travaillons régulièrement sur ces questions-là. Nous sommes au courant. Tout peut être perfectible, tout peut être amélioré. Nous sommes dans une démarche progressive d'amélioration. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a l'habitude de citer une capitale africaine comme la plus propre. Vous voulez pas et Kigali, la plus belle Kigali de l'Afrique. Ouais. Je pense que quand on n'est pas loin de Kigali aujourd'hui, Cotonou est déjà là. Est-ce que vous réussissez à apporter des réponses? Regardez les aménagements paysagers. Oui. Ouais. Regardez les aménagements paysagers. Cotonou est déjà là. Et il faut que les gens, il suffit seulement que les gens viennent voir pour comprendre que quand ils vont se réveiller, on ne parlera que de Cotonou et on parlera pas seulement de Cotonou. L'intérêt de ce que nous faisons pour la société de gestion des déchets qui s'occupe de la salubrité, de la gestion des déchets, de l'entretien des ouvrages d'assainissement et aujourd'hui de la gestion également des stations de traitement de boue de vidange. Nous avons 2 stations de traitement de boue de vidange en construction à Semenpodi et à Calavi. Le gouvernement a instruit la société de s'installer déjà dans une antenne à Parakou parce que nous allons accompagner progressivement l'ensemble des communes et des villes dans la gestion de leur salubrité et de leurs déchets. Dans cette phase-ci, nous allons mettre à niveau les 2 lieux d'enfouissement sanitaire que nous avons. Nous allons en construire de nouveaux. Cette activité qui n'est pas une activité d'infrastructure, mais qui a un impact important sur notre cadre de vie, parce qu'il s'agit de santé, la gestion de la salubrité, la gestion des déchets, pour moi, est au numéro 1. Et si vous faites attention, beaucoup de gens n'ont pas remarqué que au lancement, le 16 décembre 2016 du PAG, on ne parlait pas d'asphaltage, ouais. mais on parlait de gestion, de la modernisation, de la gestion des déchets dans le Grand Nokwe. Tout à fait. La question de la propriété, de la salubrité est une question capitale pour le chef de l'État. Et c'est après que l'amélioration du cadre de vie à travers la voirie et tout ça s'est arrimée pour justifier encore ce que je vous disais. C'est une planification dynamique, prospective, qui s'adapte aux besoins des populations et surtout aux problèmes
que nous rencontrons au fur et à mesure que la mise en œuvre du PAG avance. Quand on parle de l'amélioration du cadre de vie, de l'assainissement et autres, il y a quand même un problème qui se pose malgré que les députés ont voté à l'Assemblée nationale une loi pour lutter contre l'utilisation du sachet plastique. On constate quand même que cela a la peau dure et persiste toujours. Est-ce que ça ne vous dérange pas quelque part, vous qui êtes engagé dans un programme d'assainissement des villes du Grand Okoué, du Bénin tout entier? Ça me dérange beaucoup. Mais je ne me décourage pas. Vous pouvez déployer 50 policiers dans un quartier pour interdire aux gens d'utiliser les sachets. Mais si vous n'avez pas une stratégie, si vous n'avez pas une démarche pour que les sources d'approvisionnement soient gérées. Si les gens n'ont pas de sachets à acheter, si les gens ont une solution à Nati Tengu, à Tukuntuna, à Abomé, à Grand Popo, au sachet. Ouais. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une feuille de route qui se met en place, puisque nous avons créé un laboratoire pour cette question spécifique. Nous avons agréé des laboratoires, nous avons agréé des opérateurs pour importer le sachet biodégradable. Nous avons même agréé des producteurs du sachet biodégradable. Mais nous avons une forte pression du sachet non biodégradable que nous sommes en train de gérer avec le département du commerce, avec le département des finances, notamment les douaniers. Nous avons ciblé les gros importateurs, nous avons fait quelques opérations coup de poing dans le marché. Mais notre objectif, c'est d'assécher la source d'approvisionnement et ensuite de mettre à la disposition des Béninois les sachets biodégradables. Mais au-delà de ça, vous avez dû constater que le sachet biodégradable n'a pas la durabilité du sachet plastique. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais pourquoi ne pas interdire le sachet tout court, monsieur le ministre? C'est une voie. Vous savez, une loi n'est pas coulée dans du bronze. Ouais. Dans l'application, nous pouvons évaluer et dire « allons directement à l'interdiction du sachet tout court » pour atterrir là où je veux. À savoir, avant, comment faisaient nos grands-mères? Quand ils vont au marché, ouais. On amenait un bol pour prendre l'huile, on amenait un panier pour acheter le maïs. On n'allait pas au marché pour se faire servir de l'huile dans du sachet plastique qu'on attache. Aujourd'hui, okay. On parle même de la nourriture chaude dans des sachets. Il faut, avec toutes les réactions chimiques que ça peut avoir. Ouais. Donc, il faut que la sensibilisation pour le changement de comportement accompagne ça de façon intensive pour que nous retournions vers certaines habitudes qui ont des airs de durabilité. D'autant plus que ces attitudes-là impactent également notre environnement, notre cadre de vie et créent de l'économie locale. Les vanniers, vous avez la question des jacinthes d'eau avec lesquelles on peut fabriquer des contenants. Tout à fait. Nous travaillons sur tous ces fronts. Mais aujourd'hui, les gens ne voient pas très bien l'impact de notre intervention sur l'interdiction des sachets plastiques. Oui. C'est nous qui avons eu l'initiative, parce que nous sommes convaincus que c'est mauvais. Nous avons été appuyés par des ONG. Je comprends leur impatience. Je comprends totalement leur impatience. Et je pense que cette impatience nous aide, nous aussi, à avancer. Mais nous continuons dans toute la sérénité que cette activité requiert, notre responsabilité d'arriver à l'interdiction du sachet plastique qui est très négatif pour l'environnement. Alors, on est allé en ville, monsieur le ministre, on a tendu notre micro à des Béninois lambda qui ont des questions à vous poser. Si tout va bien, on va à la régie, on va suivre cet élément. Monsieur Thierry à l'école Tonato, mais vraiment quand la pluie tombe, c'est difficile de passer sur l'avant, surtout derrière là où se trouvent les Chinois. Vraiment, ils sont là, mais tout ce qu'ils nous font ne nous arrange pas. Les caniveaux qu'ils viennent de faire, on ne dirait pas que ça peut contenir de l'eau. Mais quand on leur dit tout, ils bafouent ce qu'on dit et ils font de n'importe quoi. Monsieur le ministre, voilà la situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire pour que la voie soit un peu
praticable. Fide minde yo sofra do to e je wo me wa no ruga bo mi non si arrivé pour non respirer bo mi le do to gambio do je que ministre bio do e zunko kontole yo e ni le réorganiser de le do zunko no no fine kaka bo e le wa no jo do bo mi de non le do wo zunko do et goudo et ni tempo le mon bro bodo wiwi me mi do côté fine. Depuis que nous avons eu la nouvelle que le gouvernement a un projet pour le stade, nous ne pouvons pas aller contre ce projet parce que c'est pour toujours aménager les choses. Donc nous avons accepté le projet et nous avons respecté les délais qui nous ont été donnés. Donc, beaucoup ont déjà quitté les lieux. Mais fortuitement, on apprend encore que le projet ne concerne pas toutes les parties du stade. Donc, en ce moment-là, il y a un doute qui plane sur notre tête. Quelle sera la partie qui sera rasée et quelle sera la partie qui sera laissée? Seul le ministre des cadres de vie pourra nous situer sur cette situation. Parce que c'est un doute qui plane sur tout le monde. Est-ce qu'il faut revenir? Est-ce qu'il faut partir définitivement? On ne sait pas encore. Donc si le ministre du cadre de vie peut nous donner la précision, ce serait très intéressant. Monsieur le ministre, des compatriotes qui vous posent des questions, ils veulent savoir si c'est tout le stade qui est pris en compte, mais c'est seulement une partie, que c'est un doute qui plane sur la tête. Merci, monsieur. Je suppose que ce n'est pas exprès que vous avez choisi le quartier pas Tonato. Du pas du tout. Pas du tout. Non, c'est juste pour dire que ce que vit ce monsieur, d'abord en termes d'assainissement, est une conséquence de la faible couverture du territoire de la ville par les ouvrages d'assainissement nécessaires, collecteurs, bassins de rétention, aménagement de voirie. Et c'est pour ça que il y a 3-4 ans, personne ne pouvait passer derrière Ciné Concorde. Okay. Aujourd'hui, vous allez là-bas, les gens n'ont pas idée de ce qui se passe. Et c'est ce qui va se passer partout à Cotonou, quand on aura fini le PAPC, quand on aura fini les phases, parce que asphaltage, c'est 3 phases. Chaque phase fait 200 km. Nous sommes en train de lancer la phase 2. Pourquoi 3 phases? Simplement parce que si nous mettions plus de la moitié de la ville en travaux, les Béninois ne seront pas contents non plus. On a créé du dommage à la situation. Il sera très difficile de circuler et ça va impacter la mobilité dans le mauvais sens. Donc, ce que je peux demander à ce monsieur qui habite ce quartier Tonato, c'est beaucoup de patience. Okay. C'est aussi de la collaboration par rapport aux travaux qui vont se faire. Parce que ça va occasionner des nuisances, des désagréments, mais c'est pour un temps. Vous l'avez entendu, il a parlé de la base vie des Chinois qui est dans la zone, qui crée des nuisances, ouais. et tout ça. La pollution sonore. J'ai dû intervenir également une fois dans ce dossier, c'est réel. Et on a l'impression que certaines entreprises ne respectent pas les règles du plan de gestion environnementale et sociale. Et nous avons remis ces bases vie au carré. Peut-être que ça continue. L'équipe de la CIRAT va aller voir. Mais sur ce plan-là, dans 3-4 ans, je pense que de façon globale, Cotonou sera totalement traité. D'accord. C'est tout ce que je peux lui dire. Pourquoi 3-4 ans? Le plan d'assainissement va jusqu'en 2025. Nous, le rythme asphaltage, c'est 2 ans. Peut-être que nous aurons l'occasion. Et c'est moi, mon souhait et mon vœu de lancer la phase 3 asphaltage, ouais, avant la fin de ce mandat. On a le temps matériel pour le faire. Puisque la phase 1, on l'a lancée en 2018, nous l'avons terminée. Et donc aujourd'hui, c'est un mandat qui peut, si le ministre des Finances, avec les instructions du chef de l'État, nous autorise, nous nous sommes prêts puisque nous avons bouclé les études techniques pour l'ensemble des phases asphaltage. Sur la gestion du collecteur, c'est la même chose. C'est l'intervention de la GDS. Il y a des endroits où les choses… Beaucoup de gens ne savent pas que
salubrité et gestion des déchets, assainissement, c'est près de 150 PME qui ont été recrutées dans Cotonou, dans Porto Novo, dans Semepodji, dans Bombé-Calavi et dans Ouida pour travailler. C'est de la création d'emplois. Donc, c'est du travail que la SGDS donne à ces PME-là pour faire le travail. Vous avez dû voir les gens travailler la nuit et tout ça. Ce n'est pas parfait. Il y a de la supervision qui est en place. On travaille dessus. Nous allons améliorer ça. Mais ce que nous souhaitons, il suffit d'aller encore dans ce qu'on appelle Sofrado, dans les parages du marché d'Antokwa, pour voir comment les nôtres traitent les collecteurs, traitent les caniveaux, ainsi de suite. Et il y a beaucoup en matière d'attitude vis-à-vis des infrastructures qui améliorent notre cadre de vie. Nous devons avoir un comportement donné. Ce n'est pas le cas dans plusieurs quartiers. Dans plusieurs quartiers. Et donc ça complique le travail. Vous avez des quartiers où on sait très bien que c'est trois passages dans la semaine. On ne fait pas le nécessaire pour que tous les déchets soient ramassés. C'est immédiatement après le passage qu'on sort les déchets. Et donc ces déchets-là vont faire deux jours. Ça va empoisonner la vie des autres, ainsi de suite. Je ne dis pas que la société et les intervenants sont parfaits, mais nous avons besoin de l'aide et de la contribution des populations pour maîtriser progressivement ces aspects. Et nous sommes en train de mettre en place un numéro vert pour recueillir les doléances, les plaintes, partout où ça ne va pas, de façon globale sur le cadre de vie. Nous allons rendre cette dimension-là aussi opérationnelle pour faciliter les choses. L'aspect stade de l'amitié. C'est tout le stade qui va être en travaux, mais pas dans la même période. L'aile que j'appellerais l'aile ouest, là où il y avait la piscine, il va démarrer là. Je vous ai parlé de la galerie marchande de général Mathieu Kérékou. L'appel d'offres est bouclé. C'est en cours d'analyse et ça va démarrer. C'est en prévision de ça. Sinon aujourd'hui, les squatteurs ont déjà pris d'assaut les lieux. Les squatteurs. Mais l'entreprise va atterrir bientôt, vous allez voir. Notre objectif, c'est que dans le mois prochain, on fasse la remise de site et que les travaux démarrent. L'aile où il y a l'hôtel de l'amitié en face du piscine Lorve et tout ça, ça ne démarre pas maintenant. Puisque la piscine qui va être déplacée vers dans le nouveau réaménagement, nous allons remettre la piscine aux normes olympiques internationales et la reconstruire sur le front est. À ce moment-là, ceux qui sont à l'ouest aussi seront concernés. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons été instruits pour recenser tout le monde. Comme on l'a fait sur le CPA, on prend en compte une partie des charges de réinstallation des uns et des autres. Ce n'est pas facile. C'est un chantier. Vous avez un fonds de commerce, vous avez une activité qui vous fait vivre. Le Bénin, notre pays doit être reconstruit. Ça vous impacte. L'État peut vous apporter un accompagnement social. Tous ceux-là sont connus, ont été recensés aujourd'hui et sont en cours de traitement. Ils savent tous que le directeur général de la CIMO et le directeur général de l'habitat de la construction de chez moi les ont rencontrés pour parler avec eux. Oui, tout le monde est concerné. Non, tout le monde n'est pas concerné au même moment. Nous démarrons dans le troisième trimestre, c'est clair, la galerie marchande. Nous démarrerons la piscine beaucoup plus tard. Quand ce sera le moment, on informera tout le monde. Alors, M. le ministre, on parlera maintenant des changements climatiques. Vous savez, c'est un fléau qui impacte tous les pays du monde. Le GIEC, tout le temps, lance des alertes, mais apparemment, on ne prend pas en compte encore ce cri d'alarme de ces chercheurs. Au Bénin, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées? Vous savez, quand je prends le cas de notre pays, quand on prend nos côtes, on a trois segments, mais au niveau du segment ouest, notre belle ville balnéaire, Grand Popo, la mer, mais l'océan, j'allais dire, grignote des centimètres. Si on ne fait rien, ça risque de disparaître, cette ville. Il suffit seulement de voir les projets phares du PAG, protection côtière. Vous en avez parlé, je vous répondrai sur Grand Popo.
amélioration du cadre de vie, lutte contre les inondations, assainissement des plans d'eau. Beaucoup de gens oublient qu'on a commencé au lac Aimé, on vient vers le lac Nokwe et la rivière de Cotonou. Le reboisement, le programme forêt classée, l'aménagement des aires protégées pour la protection de la conservation de la biodiversité. Nous sommes allés dans un projet qu'on a appelé PASPNA, impliquer, intégrer la prise en compte du changement climatique dans la planification budgétaire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays en Afrique qui font ça. Pour que le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Énergie, le ministre des Infrastructures, quand il fait sa programmation d'investissement, nous voulons nous assurer de comment il prend en compte les changements climatiques. Le Bénin est déjà à ce niveau. Et donc, la plupart de nos projets ont intégré ces dimensions de prise en compte des changements climatiques. Il n'y a pas un seul projet qui n'ait pas eu d'étude d'impact environnemental et social. Et donc, doté de plans de gestion environnementale et sociale. Avant, c'était les projets financés par les partenaires qui avaient l'exigence du certificat de conformité environnementale pour les décaissements. Tous les projets du PAG ont l'obligation d'avoir l'étude d'impact environnemental et social, d'avoir délivré le certificat de conformité environnementale et sociale et d'avoir le PGES. Donc, comment est-ce que l'impact de ce projet, l'impact de cette infrastructure, l'impact de cet investissement est maîtrisé sur l'environnement immédiat est pris en compte. J'étais à Glasgow, ce que moi j'ai écouté, j'ai l'impression que le PAG est en avance. Et je suis à l'aise de le dire. Simplement parce que le dernier segment dont vous parlez, et tout le monde sait que les travaux vont démarrer actuellement. Nous sommes en train de payer les personnes affectées pour faciliter leur réinstallation. Mais ça a trop traîné, monsieur le ministre. Ça a trop traîné. Le projet Waka. Vous avez vu. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous avez vu, quand je suis arrivé en 2016, on démarrait l'identification du projet Waka. Bien avant Cotonou-Est, encore bien avant Avlekété. Vous avez vu avec quelle vitesse et quel rythme nous avons conduit ces projets-là. Il se fait que le projet Waka, Grand Popo, est un projet sous-régional qui ne dépend pas que du Bénin. C'est un projet qui est piloté par deux pays, le Togo et le Bénin. Et donc, la protection démarre à Baudrenfort et se termine à la bouche du roi à Grand Popo. Nous avons le deux tiers, ils ont le tiers. Mais beaucoup de gens ont oublié également, il faut le dire, que le segment de Grand Popo était un segment, était un trait de côte très stable. Et que ce trait de côte a été déstabilisé par les ouvrages de protection côtière qui ont été installés à Nero. Mais nous sommes deux pays voisins, le Bénin est un pays pacifique. Nous discutons avec nos voisins togolais qui sont nos frères. C'est pour ça que nous avons accepté, quand lui, moi et la Banque mondiale l'ont proposé, d'aller dans un programme régional. Aujourd'hui, le plus difficile est derrière nous, les études sont bouclées, les appels d'offres sont passés, les missions de contrôle sont recrutées. Et donc, moi, je suis pressé de voir, enfin, la protection côtière se faire. La protection aura lieu. Alors, monsieur le ministre, on est lancé dans le programme d'action du gouvernement 2, le PAG 2. Il y a beaucoup de réformes. C'est vrai que nous avons parlé des projets. Et les projets, il y en a véritablement assez au niveau de votre département ministériel. La rénovation, par exemple, du centre commercial et administratif de Ganry, par exemple, on n'en a pas parlé. Je n'ai pas parlé des… Oui, la cité ministérielle. La cité ministérielle, la cité administrative. Il y a beaucoup d'autres projets. Tout le reste, oui. Des autres projets. C'est énorme. C'est beaucoup. De votre côté. Il y a également des réformes qui sont annoncées, le code de l'urbanisme par exemple, le code de la construction, la révision de la loi cadre sur l'environnement et tout autre. Pourquoi focaliser les attentions sur cela aussi? Les mandats du président Talon sont des mandats de réforme. C'est vrai, on regarde, on voit, on perçoit facilement les investissements, mais le plus important c'est la réforme. Nos manières de faire, de procéder. Je donne un exemple, la libération du domaine public ici, ça a donné lieu à un tintamarre sur lequel je ne veux pas revenir. Dans combien de capitales vous voyez ce que nous voyons dans nos villes? Et donc, les gens construisent sans permis de construire. Les normes ne sont pas respectées. Je suivais la radio ce matin, un pays comme le Nigeria, une ville comme Lagos, est à près de 175 écroulements de bâtiments par an.
C'est ça que vous voulez ici? Non. Donc la réforme de la construction passe par le code de construction de l'habitat. J'ouvre un autre chantier, les lotissements. Avec tout ce que ça comporte de mal-donne, de mauvaises pratiques, de trafic foncier et tout. Le code de l'urbanisme va régler ça. Et aujourd'hui, nous avons une commission qui travaille sur l'assainissement des opérations de lotissement. Nous sommes en train de passer au peigne fin les lotissements qui sont en cours dans les 77 communes du Bénin. Pour arriver à quoi ? Celles qui sont autorisées à continuer, ceux qu'il faut résilier immédiatement ou arrêter, simplement parce que non seulement c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de contrat, c'est parce qu'on a donné le contrat à une personne qui n'est pas techniquement qualifiée, ou simplement parce qu'on est en train de construire dans ce que nous appelons une zone non édificandie, des lotissements qu'on va faire dans les zones inondables. Tout ça va s'arrêter. Et donc, nous, on a eu 12 mois du Conseil des ministres pour faire le point de la situation et proposer des mesures. Nous essaierons de respecter ce délai. Ça arrive à terme en juillet. Le ministère du cadre de vie va rendre compte de la situation des lotissements dans l'ensemble des communes du Bénin et proposer des mesures pour que définitivement on sorte de là. Ça aussi, c'est les conséquences et les actions qui préfigurent de ce que le code de l'urbanisme et de l'aménagement va être. N'importe qui ne fait pas de lotissement, on ne fait pas de lotissement n'importe comment. On fait une planification urbaine en amont avant de faire du lotissement. La loi qui a suivi l'environnement, c'était une loi cadre qui a débouché sur la création de l'Agence béninoise pour l'environnement. Nous allons aujourd'hui faire une loi sur l'environnement. Vous avez vu qu'il y a eu d'autres lois avant. La loi sur les changements climatiques, la loi sur le littoral. Ouais. Maintenant, nous allons vers une loi sur l'environnement qui est globalisante et qui va redéfinir tout ce que je vous ai présenté. Si vous avez parlé des changements climatiques, on peut parler de la conservation de la biodiversité, on peut parler de la lutte contre la désertification et de la gestion des terres. Ouais. Si nous n'avons pas de terres qui se régénèrent, on ne peut pas continuer à survivre et à vivre. Donc toutes ces questions seront au cœur, par exemple, de la loi sur l'environnement. Et nous allons structurer également, selon les instructions qui nous ont été données par le chef d'État, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage du ministère du cadre de vie dans le domaine de la construction pour que les gens ne fassent plus, excusez-moi le terme, n'importe quoi. Okay. Aujourd'hui, nous avons du fer à béton de très mauvaise qualité. Et je suis sûr que vous n'êtes pas capable, en regardant le fer à béton, de savoir si on est en train de vous vendre du faux. Pas du tout. Mais c'est votre vie qui est en danger. Vous coulez une dalle avec. Ça peut s'affaisser. La résistance n'est pas… Je peux citer ça pour plusieurs types de matériaux de construction. Donc nous travaillons à la mise en place des laboratoires pour vérifier ces normes-là. Et pour couronner tout, nous allons créer bientôt le Conseil béninois de développement durable, dont l'une des missions sera la vérification et la supervision des structures qui vérifient les normes et les qualités dans notre pays sur plusieurs domaines. Voilà les réformes qui sont en chantier. Chez nous, au ministère du cadre de vie. Je suis sûr que la liste n'est pas exhaustive. Mais... Merci beaucoup, monsieur le ministre. Le temps est fini pour cet entretien. On aurait voulu rester encore longtemps parce qu'il y a tellement de chantiers qu'on n'a pas pu aborder, monsieur le ministre. Certainement qu'on aura d'autres occasions, pourquoi pas, vous prendre encore dans ce studio. On nous dit davantage ce que vous faites pour améliorer notre cadre de vie. Merci, Christian Dadejan. Merci, William. Merci, monsieur le ministre. Ce sera tout pour cet entretien. Merci pour votre attention et à la prochaine.